Hop, c'est parti. Oh! Oh, let's go, let's go. Oh, let's go, let's go. Allez, shiny rainbow, shiny rainbow. Oh, let's go enfin. Allez, un bon. Oui. Dans cette vidéo, les gars, il y a un huge à gagner. Non, non, vous rêvez pas, il y a vraiment un huge à gagner. Regardez juste ici, il y a plein d'abonnés qui m'ont envoyé des cadeaux. Par contre, on va pas faire gagner tout dans la même vidéo. Le reste, ça sera dans la deuxième vidéo. Mais du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire gagner, les gars, ça va être la moitié. Donc, les trois premiers pets qu'on m'a envoyé. Donc, c'est-à-dire le Neon Cat pour YouTube, mais à condition de vous abonner. De la part de Shint. Le huge mécatronique de la part de Nono à faire gagner aux abonnés. Et le Thunderbeer pour les abos. Bonne chance et abonnez-vous pour tenter de gagner. Du coup, voilà les trois cadeaux. Et puis, les trois autres, les gars. Et le deuxième huge, ça sera pour la prochaine. Vidéo, vous savez déjà quand est-ce que ça arrive, c'est mercredi prochain, comme ça vous aurez deux chances d'avoir un huge et pas qu'une seule. Pour participer, c'est très simple, vous mettez votre pseudo Roblox dans les commentaires et vous me dites parmi les trois pets lequel vous voulez. Et si jamais au lieu des exclusifs vous voulez le huge, vous allez devoir trouver le message secret. Il sera écrit de la même couleur que ce texte que je vous mets à l'écran. Donc bonne chance à vous pour le trouver. Bisous bisous. Ok, c'est parti pour tirer au sort le premier vainqueur et c'est User. J'espère gagner mon pseudo, je le rappelle, c'est le Louis du 21. Ok, et bah c'est parti pour envoyer le premier cadeau. Malheureusement, il nous a pas dit lequel il voulait. Du coup, je vais lui envoyer le petit chien très moche. Et je vais lui marquer gros GG. Hop, envoyé. Boum boum boum. Et. Tadam! Ok, premier cadeau envoyé. Donc c'est parti pour le deuxième vainqueur. Et attention, c'est Dorian ou Dorian. Je participe, je voudrais avoir l'axolot, il est trop stylé. Et bah j'ai bien fait d'envoyer le chien classique au premier vainqueur. Parce que Dorian, il voulait le axolot. Du coup c'est parti, on va lui envoyer l'axolot. Hop, GG à toi. Oui, oui, oui. Et hop, deuxième cadeau envoyé. Il nous reste un troisième cadeau, un autre petit chien à gagner. Et c'est Pamela. Mon pseudo est Aurel-san et je veux l'axolot. Et bien l'axolot, malheureusement, je viens de l'envoyer. Mais c'est pas grave parce que tu as gagné quand même un exclusif et c'est le Classic Dog. Donc ça va, c'est pas non plus le pire pet du monde entier. GG à toi. Hop, tadadam. Et... Tadam! Ok, cadeau envoyé. Ok les gars, vous le savez, mais sur Pet Simulator, je suis niveau max. Donc niveau 30, il n'y a pas plus haut niveau que 30, c'est littéralement le niveau max. Et quand t'es niveau max, regardez, vous pouvez littéralement avoir 99 pets équipés. Alors pas vraiment, je crois que tu peux en avoir un peu moins, parce que vous en avez 15 d'achetés dans les Game Pass. Regardez, c'est juste là, je crois, ouais. Vous avez plus 15 pets et plus 15 hatch. Donc en réalité, si vous êtes niveau max, vous pouvez pas avoir une team de 99 pets, mais un peu moins. Mais bon, c'est pas grave. Parce que moi du coup les gars, comme j'ai pigeonné, bah j'ai tous les œufs au max. D'ailleurs lui, il arrive bientôt, coming soon, donc peut-être dans la prochaine mise à jour. Mais pas celle-là, celle de samedi prochain je pense. Donc comme j'ai tous les œufs et tous les pets au max les gars, je peux littéralement avoir 99 pets dans mon équipe. Et les gars, je vous spoil en avance, mais regardez, je vous floutais à l'écran bien sûr, mais regardez-moi ça. J'ai enfin une team full huge les gars. Regardez comment c'est trop beau. Genre littéralement, c'est magnifique. Il y a des huge partout sur l'écran. C'est trop stylé. Je vais un peu vous flouter pour pas spoiler tout ce que j'ai hatch, mais c'est trop bien les gars. Donc je suis trop content. J'ai enfin une team entière de full huge. Enfin bref, en tout cas, je vous laisse profiter de cette vidéo. Si vous vous demandez les gars dans cette vidéo pourquoi j'ai autant de chance et pourquoi j'ai hatch autant de huge dans l'event RNG, eh bien n'hésitez pas à regarder mon autre vidéo tuto qui est sorti mercredi. Dedans, j'explique tout de A à Z comment faire. La vidéo est très longue, j'explique très bien. Et donc comme cette vidéo vous la verrez à 16h, l'event il se finit à 18h. Donc vous avez 2 heures pour regarder ma vidéo et faire tout ce qui est en votre pouvoir pour essayer à pack des huge les gars. Parce que à 18h la mise à jour elle est finie, mais il y a une partie 2. Et oui les gars, donc l'event RNG que vous voyez là, il va rester mais en partie 2. Ça veut dire qu'ils vont modifier plein de trucs, ils vont modifier les chances, les upgrades, les dés. Il y aura un nouveau Titanic rouge comme ça, enfin bref. En tout cas les gars, bonne vidéo à tous, bisous bisous. Petit message avant que la vidéo commence. En gros j'ai ouvert pendant 30 minutes sur mes 5 comptes secondaires, tous mes dés. Et j'ai ouvert aussi 30 minutes sur mon compte principal. Le problème c'est que sur mes comptes secondaires, la qualité était vraiment moche. Plus il n'y avait pas le son du jeu. Du coup ce que j'ai décidé de faire les gars, c'est de vous mettre uniquement les deux réactions de mes huge sur les comptes secondaires. Et je vais vous mettre je pense une vidéo complète du pack opening de mon compte secondaire sur ma chaîne YouTube secondaire NQQ. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Et sur mon compte principal j'ai eu beaucoup de huge. Allez, bonne chance. Ok les gars, on va ouvrir un maximum de dés et je veux pas trop parler parce que c'est vraiment juste un pack opening. On va ouvrir plein de dés et puis on va voir ce qu'on va obtenir. J'espère que je vais avoir les trucs cool parce que sinon c'est chaud. Oh, let's go enfin. Allez, un bon temporal, let's go. Oh, trop bien sur le compte en plus. Mais non, sur le même compte que wesh. Non, c'est une dinguerie de faire ça sur le même compte. Oh la dinguerie. Bah let's go, je suis trop content. Bon, je peux pas crier les gars, vous le savez. Enfin vous le savez peut-être pas, mais il est très tard là. Donc on va éviter de crier, mais je suis très content en tout cas. Ok, avant-dernier sur ce compte.
Oh, let's go, let's go. Allez, allez, allez. Oh, let's go. Oh, purée, let's go. Oh, je suis trop refait. Oh, je suis refait. Oh, golden. Oh, je suis trop refait. Par contre, il vaut tellement pas cher, wesh, what the fuck. Wesh, le prix du huge. C'est l'inflation, là. Oh, je suis refait, les gars. Oh, je suis refait. Au moins, vous aurez pas une vidéo pack opening qui pue la merde. Ah, W. En plus, pile quand j'améliore le truc, j'avoue. Pile quand j'ai amélioré l'amélioration. Comme par hasard. Comme par hasard. Ah, là, on est très très bien, les gars. Hop, du coup, les gars, je viens de me trade mes petits... Alors, attendez, comment je vous montre? Voilà, je viens de récupérer les 3 huge que l'on vient de packer, donc c'est super cool. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enchaîner sur mon compte principal. Hop, je vais mettre ça en grand écran. Hop, c'est plus beau pour vous. Et ce qu'on va faire déjà aussi, attendez, on va mettre des petits charmes. Moi, j'aime bien mettre des petits charmes. Des petits charmes diamants. Ah, je peux pas mettre tous mes charmes diamants. On va mettre, je sais pas moi, frère, glittering. Hop. Ok, boum. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer ça, on va activer le chat. On va mettre le volume, boum. Les graphismes. Et normalement, tout est prêt. On va même show les pets des autres. Hop, magnifique. Et comme ça, on est prêt pour en découdre. Hop, voilà. Ok, maintenant qu'on est là, on va directement hop, acheter nos dés. Boum, boum, boum. On va regarder si on peut en convertir. Ah ouais, j'en ai un max là. Hop, parfait. Ah ouais, je peux en faire que 30 parce que j'ai plus de pièces. Regardez. Attends, ils sont mes dés. Sont là. J'ai même plus de pièces, les gars. Bon, bah, c'est parti, hein. On va faire quelques-uns et après, on va manger les dés. On va faire moitié-moitié, du coup, vous avez compris. Alors, attendez, déjà, ce qu'on va faire, c'est que je vais manger tout ça. Boum. Comme ça, on a 15 minutes de dés. Parfait. Hop, je vais mettre ça. Je vais aussi copier. Hop, on va copier-coller ça. Parfait. Comme ça, je peux les enchaîner. Et c'est parti. Ok. On commence avec 250 000. D'ailleurs, on va regarder les pièces des gens. Lui là, le petit jellyfish en normal. Lui là quoi? Le petit owl en gold, ok. Pourquoi pas? C'est sympa. Hop, on enchaîne. Boum. Donc là les gars, c'est le compte où je suis censé avoir des choses. Parce que regardez, littéralement, toutes les améliorations sont au max. Genre littéralement. J'ai les trucs en bas, regardez. Donc le dé normal, le dé gold. On a les lucky, on a ultra lucky. Enfin là, j'ai vraiment tout au max les gars. Donc si j'ai rien... Et en plus de ça, en plus d'avoir tout ça, regardez, on a la mastery économie au niveau max. Donc ça veut dire que je peux acheter des dés au max, au max, au max. Et donc c'est pour ça que j'en ai encore plus que mes comptes secondaires, les gars. Parce que mes comptes secondaires ne sont évidemment pas mastery niveau max. Donc c'est pour ça. Ok, nice. On va continuer de créer des dés d'ailleurs tant qu'on peut. Parfait. Boum. Je peux en faire combien encore des dés? Je peux en faire... Là j'en ai 35. Plus... je peux en faire 70. Donc 70 divisé par 3 je pense. Donc à peu près une vingtaine. Entre 15 et 20. Donc ça va en vrai. On peut pas monter là-haut? On peut pas. Toum, toum, toum. Hop, ça enchaîne. D'ailleurs vous voyez que le speed il est pas si rapide. Hein. C'est pas si rapide que ça. Hein. Ça monte un peu mais c'est quand même lent. Hein. Hop. Du coup, attends, je vais vous montrer mes petits pets. Bon, non, je vais vous montrer après parce que ça enchaîne trop vite en fait. Au prochain, je vous montre. Ok, hop, là on se fait notre dé. Touloulouloum. Ok, nul. Du coup, regardez, j'ai eu le mécatronique en normal, en shiny 2 fois, en gold 2 fois, en normal 2 fois. Donc, je n'ai pas eu de shiny gold ou de shiny rainbow. Le owl, je l'ai eu 3 fois en normal. Le butterfly, 2 fois en normal. Et le jelly, 1 seule fois en normal et 1 fois où je l'ai acheté. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Sinon tout le reste c'est moi qui ai packé. À part le jelly, celui-là là, lui je l'ai pas pack, je l'ai acheté à un mec. Sinon tout le reste c'est moi. Du coup je suis un peu deg parce que j'ai aucun shiny rainbow ou shiny gold. Et en plus de ça, le jelly, le corrupted butterfly et le owl, je les ai que en normal. Genre comment c'est possible? Je les ai pas dans d'autres formes et tout. C'est un peu triste. Peut-être aujourd'hui hein. Peut-être qu'aujourd'hui je vais les avoir. On sait pas les gars. On sait pas. Par contre, j'ai 200 000 rolls, c'est pas mal. Mais je pense qu'il y a des gens, ils ont 1 million. Ah non. Le plus que quelqu'un a, c'est 500 000. C'est quand même original. Le mec, il a vraiment dû bien farmer. Hein. Mais je pense que celui qui a 500 000, les gars, c'est quelqu'un qui, genre, qui ouvre, mais genre, au max, au max. Genre, vraiment. Genre, vraiment, depuis le début de l'event, il a pas arrêté le poteau.
Et le collector, il s'appelle le collector, le mec. Et lui, il a presque 10 milliards de pets, frère, c'est une dinguerie. Ok, ça enchaîne, ça enchaîne. Par contre, je suis quand même très content d'avoir un rainbow, les gars. Je pensais pas que j'allais avoir un rainbow. Au final, j'en ai un. Donc, je suis très content. Très, très content. Hop. Mais après, un shiny rainbow, c'est bien sûr le rêve ultime. Bien sûr. Oh, let's go, let's go. Allez, shiny rainbow, shiny rainbow. Ok. Ok, ça va, ça va. J'ai eu lequel? J'ai eu celui-là. Ah, ça régale. Bon, j'ai encore le même. J'aurais bien aimé avoir un petit Corrupted Butterfly. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu. Mais bon, je suis très content quand même. Très bien. Ça me régale. Ok, on va lui mettre un petit charme quand même. Je vais lui mettre quoi comme charme? Ah, mais le reste de mes charmes, ils sont trop nuls. Je vais pas lui mettre de charme pour l'instant. On va pas lui mettre de charme. On verra ça pour plus tard. Hop. Attends, d'ailleurs, j'ai fait tous mes dés, non? Je crois que j'ai fait tous les dés. Regardez. Ouais, ok. Et bah du coup, on a vraiment 50 dés. C'est parti. 50 dés à s'ouvrir, les gars. 50 dés à se mettre sous la dent. Et on a déjà eu un huge, donc je suis très content. On a eu lequel? Fais voir. Ouais, on l'a déjà vu, mais je veux dire... Ah oui, il y a écrit là, regardez. Prince End a eu un exclusif huge mégatronique robot. Une chance sur 30 millions. Très, très stylé. Hop. Ok, on a entamé le 50e dé. Donc maintenant, il nous en reste 48, 49. Et j'aimerais bien monter, moi, ici. Mais mon personnage, il est pas assez grand pour sauter. C'est un peu triste. La dernière fois, j'avais réussi, je crois, à monter. Ou alors, j'étais monté sur un arbre, je sais plus. Tu sais, le mec qui fait du parcours en même temps. Hop. Ça enchaîne. 48e dé. En tout cas, il en reste 48. Bon, du coup, les gars, je n'aurais pas eu Titanic dans cette mise à jour. Bon, après, il en reste 52 dés encore. Donc, on sait jamais. Mais dans tous les cas, si j'ai pas eu Titanic, c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que dans tous les cas, bah, j'ai quand même bien charbonné l'event. J'ai eu un max de huge. Je suis très content. Donc c'est très très bien. J'arrive dans mon clan après. Je suis combienième d'ailleurs? Ok, 700 000. Je suis combien dans mon clan les gars? Je dois être quand même pas mal, non? Ah ouais, regardez, 450 millions. Alors que j'ai eu des pets qui valaient plus cher normalement, mais bon, ils ont pas été comptabilisés malheureusement. Kim, elle a pas du tout joué à l'event, mais bon, Kim, elle a arrêté Pet Simulator. Et puis Guillaume, il a eu un petit huge, donc ça régale. Hop, on enchaîne. Ok, le pire. C'est pas grave. Ça continue, ça continue. D'ailleurs, j'aurais bien aimé avoir le huge du Forever Pack, mais malheureusement, je l'aurais pas. Il faut qu'il mette un raccourci aussi pour arrêter l'auto-hatch. Parce que ça se auto-hatch tout le temps, j'en peux plus. Ok, 3 millions, ça régale. Ok, c'est parti. Ça continue. Il nous reste 40 dés encore. Plus de 40 même, je dirais. Après, c'est vrai que j'ai toujours pas de Shiny Golden et de Shiny Rainbow. Et en plus, le seul rainbow que j'ai, les gars, c'est le seul rainbow que j'ai, bah c'est le mécatronique, frère. Donc bon, j'ai un peu le seum. Alors que lui, regardez, il a eu un shiny, et il a eu un shiny d'un jellyfish. Donc moi, je suis dégoûté. Moi, les gars, j'ai que le mécatronique en rainbow, en shiny et en gold. Les autres, frérot, je les ai que en normaux. Alors que c'est ce que je préfère. Après, le mécatronique, il est quand même stylé. On va se dire la vérité. Mais il a l'une des pires auras, frère. Franchement, voilà quoi. Regardez, on va tous les tester, vous savez quoi? Regardez, tu vois, mécatronique, bon, voilà quoi. Basique quoi. Alors que Jellyfish, regardez comment il a trop de flow. Pareil pour le Corrupted, regardez-moi ça. Et puis après, on a la chouette, qui est magnifique aussi. Ouais, frère, le mécatronique, c'est le PNJ de base. Hop, ça enchaîne. Ok, toujours rien. Enfin, on a eu un huge, attends. On a eu un huge. Bon, après, on a eu le pire huge. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre ou pas? C'est quoi? Dilemme en commentaire. Est-ce que j'ai le droit de me plaindre, les gars, d'avoir eu le pire huge ou pas? Ou alors, non, je me plains pas parce que j'ai quand même eu un huge. Et vous allez me dire, ouais, t'as eu le pire huge, mais au moins t'as eu un huge. Tu vois ce que je veux dire?
Donc en vrai, je sais pas. C'est à vous de décider. Vous décidez. D'ailleurs, j'ai même pas vu, mais on avait déjà passé les dés. Hop. Ça enchaîne. Ok, 3 millions, pas mal. J'ai pré-shot. Par contre, les pauvres, regardez, il y en a, ils ont juste... Genre lui, par exemple, son meilleur, c'est un 5 millions. C'est un peu triste, quand même. Je pense que si j'atche à côté du Titanic, je vais l'avoir, je pense. Regardez. 3 millions encore. Je viens d'avoir deux fois d'affilée le meilleur pet d'un mec qui était là. Force à lui. Mais ça, c'est vraiment ceux qui n'ont pas vu ma vidéo. Ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, ils font que de dire, wesh, moi j'ai pas de juge et tout. Bah ouais, les gars, c'est normal. Vous avez pas vu ma vidéo. D'ailleurs, elle va servir pour la partie de l'event, ma vidéo. Oh non, je suis trop dégoûté. 9 999 999. Putain, là j'étais à un doigt d'avoir un huge, les gars. Du coup, ouais, je répète, ceux qui... Vous pourrez regarder ma vidéo tuto pour la partie 2, en vrai, je pense. Ça a marché aussi. Même si c'est toujours mieux que je fasse une deuxième vidéo, mais... Je pense que le tuto, il marchera encore pour la partie 2. Même si on sait jamais. Ok, on continue. Attention. Ok. Pas mal. C'est vraiment la meilleure mise à jour, vraiment. Aujourd'hui, j'ai eu combien de huge? J'en ai eu 4, frère. Et presque 5, là, parce que j'ai eu un truc à 9 millions. Putain, j'ai quand même eu 5 trucs à 9 millions. Et presque autant de huge. Je sais plus, j'en ai eu combien sur mon compte principal. Sur mon compte principal, j'ai dû avoir 4-5 huge, à peu près. Entre 3 et 5, ouais. Parce que les autres, c'est sur mes comptes secondaires, bien sûr. Sachant que lui, c'est le compte le plus boosté. Donc c'est quand même bizarre que j'en ai eu moins. Mais bon. Les pay to win, les gars. On n'est pas trop récompensé dans la vie. D'ailleurs, on va hatch à plein d'endroits différents de la map. Et on va voir lesquels sont plus chanceux. Là, on va commencer par les immeubles. Et après, je vais aller sur le château là-bas. Même sur la grosse montagne. Il me reste combien de dés encore? 34, mec, c'est super long. Ok, hop, c'est parti. Là, on a rien du tout. Le pire truc. Je crois que c'est lui le pire pet, non? Est-ce qu'on peut avoir pire que ça dans les œufs? Je suis pas sûr. I don't know. Hop, ça enchaîne. Oh, cet endroit, il est malchanceux. On va changer d'endroit, je pense. On va se mettre ici. Ça m'a l'air pas mal. Attention. Ah non. L'île flottante, pas si ouf en fait. Oh, je peux monter sur l'arbre. Ok. C'est parti. On va ouvrir sur les arbres roses. Les arbres de cerisier. Ok. Il nous reste 30 dés encore. Donc on est à peu près 3 cinquièmes. Non, 2 cinquièmes du coup, vu qu'il nous en reste 30. En tout cas, on a ouvert 2 cinquièmes. Et je suis tombé dans le vide. Oh, je vais en ouvrir un dans le vide d'ailleurs. C'est une bonne idée. On va en hatch un en plein vide. Et un en marchant aussi. Oh non, j'ai appuyé, ça n'a pas compté. Ok, on va aller par là-bas. Boum boum. Je sais qu'il y a un passage secret. Gabriel, il m'avait montré. Regardez. Passage secret là. On va l'ouvrir ici, notre huge. Ok, c'est parti. Petit huge dans un passage secret. Et non, malheureusement. On va sortir de là. Hop, et on va en ouvrir un en même temps de tomber dans le vide. Vous êtes prêts? Il va falloir être très rapide. Hop, ça charge. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Chut. Ah non. Ça donne pas plus de chance, malheureusement. Il a quoi comme huge, lui? Ah non, il a le solar, c'est même pas un huge. Force à toi, mon frérot. Où est-ce qu'on peut ouvrir maintenant? On va en refaire un devant le Titanic, je pense. C'était une bonne idée. Hop, ok, devant le Titanic, attention. Oh oui! Oui, 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 oui! Let's go! Ah, purée! Ah, ça régale. Pourquoi il n'y a pas écrit dans le chat, attendez? Ouais, pourquoi il n'y a pas écrit dans le chat?
Non, je me suis fait arnaquer là. Après, il n'y a pas écrit Prince End a eu un huge et tout. Ouais, je me fais arnaque. Attends, il n'y a pas écrit peut-être dans le chat global, genre. Ah, si, là. Regardez, c'est dans le. Ah non, c'est pas le global, je crois. C'est juste écrit en rouge en fait. Bon, bah, ça régale. Un petit huge temporal owl. Je lui ai pas mis de charme non plus pour l'instant. Ah, comme quoi la technique devant le Titanic, ça marche très bien. On va tester après encore. Ah, là, je suis refait. Hop. On va tester déjà en bas du château, genre dans le château. Et après, on va tester en haut du château. Ok, en bas, ça marche pas, c'est logique. Je pense qu'il faut aller tout en haut. Genre là, tu te mets en plein milieu comme ça, là. Avec ton huge, regarde, qui est comme ça. Qui regarde la vue. Là, c'est sûr, il y a un truc. Ok, c'est parti. Hop, on est pile à la moitié d'ailleurs. Et non, dommage. Et si on se met tout en haut comme ça, genre. Genre bien, bien en haut comme ça. Comme le boss. Là, on a un truc, là, je pense. On va voir. D'ailleurs, je vais aller rechercher des dés après. Parce que je suis à court de dés. Ok, c'est parti. Et non, dommage. Ok, on va en ouvrir un dernier devant le Titanic. Parce que ça avait très bien marché. Ça avait très très bien marché. Peut-être que j'ai eu de la chance, hein, mais comme par hasard, dès que j'ouvre devant le Titanic, j'ai eu un truc. En plus, j'ai vraiment cru que c'était un Titanic parce que ça a mis du temps à charger, genre. Genre, la fumée, elle était longue, 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 longue. 2 millions, ok, pas mal. Genre, vraiment, c'était long, long, long. Hop, ok, on va se remettre des petits dés. On va en mettre 10, je pense. Parfait. Puis on va en refaire un devant le Titanic. Ça avait très bien marché. Attention. Ah non, dommage. Ça peut pas marcher à tous les coups. Ok. On va en faire un en plein milieu de l'œuf. Hop. Dans l'œuf carrément. Voilà. Je pense que dans l'œuf ça marche bien. Hop. Vous êtes prêts? Dans l'œuf, c'est parti. Oh, 7 millions. Attends, j'ai peut-être trouvé un glitch là. Attends, je vais rester dans l'œuf un petit peu encore. Wesh, ça a l'air incroyable. Pense attention à vos yeux, ça peut faire mal aux yeux. Ok, on va continuer dans l'œuf. Ok, c'est parti, let's go. Ah non, dommage, j'ai cru que j'avais trouvé un glitch. On va faire devant une maison, en écrivant knock knock, attendez. Knock... Ah non, je sais pas écrire. Knock knock, parfait. Ok, on a écrit knock knock, maintenant on ouvre le dé. Attention, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Ok, j'ai une autre idée maintenant. On va monter en haut du portail là. Tu sais, c'est le portail où tu changes de monde. Le portail pour changer de monde. À tout moment ça marche, hein, je sais pas. Ok, attention, vous êtes prêts? Attention. Hop, c'est parti. Portail pour changer de monde. Ah non, ça marche pas. Ah, j'ai pas testé sur le deuxième immeuble, attendez. On va tester. Hop, je sais pas si on peut monter déjà, mais je pense que oui. Oh, on peut, let's go. Ah, mais je pourrais pas monter plus haut, malheureusement, je pense. Ok, on va tester juste là, sur le deuxième immeuble. C'est déjà bien. Ok, attention, c'est parti. Non, nul. On va aussi tester derrière. Je m'étais mis là la dernière fois, je me rappelle. Parce qu'il y avait un mec, il faisait que de me suivre. Du coup, on va tester. Ok, c'est parti. Il nous en reste plus que 17. Ça descend déjà très vite. C'est un peu triste. Ok, c'est parti. Et on a rien. On va tester sur le pont là-bas. Là les gars, je teste vraiment tout. Je teste vraiment tout parce que je veux un max de huge. On a déjà eu 2 sur ce compte, c'est pas mal. Hop, regardez, on se met en plein milieu du pont avec mon petit huge qui vole en plus. Magnifique. Ok, 16, il en reste plus que 15 après. Ok, ça marche pas du tout. On va tester ici. Hop. Parfait, magnifique. Là on est très très bien. Oh non, je voulais monter sur l'arbre, j'ai raté. Non, je suis tombé. Bah, on va tester au spawn alors. Au spawn, ça doit marcher, je pense. Ah non. Aïe aïe aïe, c'est chaud. Ok, et si on se met là, genre. Genre comme si j'étais le marchand, vous voyez. On va tester. Le marchand des upgrades. Ça se peut, hein. D'ailleurs, pour le dernier dé, vous allez voir comment on va l'ouvrir, vous allez rigoler. Ok, attention. Ok, nul. Maintenant on va tester comme si j'étais le marchand de dés.
porte là, il y a beaucoup de lumière dans mes yeux. Ok, attention. Toudoudoum. C'est parti. Attention. Ok, 200 000, clairement claqué. En plus, on est presque à 69 millions. Presque à 69 millions, les gars. Ok, le marchand des dés maintenant, mais crafting maintenant. On va voir si on a un truc. Il y a moyen, en vrai. Ok, c'est parti. Le marchand de dés. Nul. Regardez d'ailleurs mes coins. 69.6. Ça fait 696. Par contre, on va retester là-bas parce que j'avais pas réussi tout à l'heure. Hop. On va retester sur le pont, mais sur le petit, tu vois. Sur le petit poteau. C'est parti. 69.8. Ah. Aïe, 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 flop. Hop, on remonte ici, nous. Hop, parce qu'on avait une très belle vue. Oh, nice, j'ai réussi à monter. Ok, nice. Ok, je suis exactement où je voulais aller. Donc, c'est parti. Petit dé dans le biome orange. Ah, dommage. Sur un arbre orange. Ok, maintenant, on va tester dans le biome rose sur un arbre rose. Mais pas le même que tout à l'heure, attention. Et devant le Titanic aussi, on va retester. Ça avait l'air de marcher. Touloulouloum. Ça marche pas. Ça marche pas, ça marche clairement pas. Hop. Ah, je suis pressé de la mise à jour, moi. Je pense que là, je vais faire une petite sieste après. Ah, attends, il y a un passage secret ici. On va le faire là. Ok, c'est parti. Dans le passage secret. Claqué. 500 000, 400 000, 500 000. On peut monter ici, vous croyez? Je pense pas. Ah, si, on peut. Incroyable. Et genre là-bas, vous pensez on peut? Ah ouais. Incroyable. Je suis la personne qui est jamais venue ici. Ok, c'est parti. Petit dé. Au sommet de l'arbre rose. Non, nul. Ok, maintenant on va enchaîner par là-bas. Oh, là-bas, il doit y avoir des dingueries. C'est sûr. C'est tellement sûr. Carrément, ils ont bloqué l'accès. Mais on va réussir à y aller, vous inquiétez pas. Oh oui. Je vais dans un endroit secret, là. Déjà, on va essayer dans l'endroit secret. Hop. C'est parti. Quel nul. On va essayer ici, sur un bloc bleu. Allez, je suis désespéré, là. Je suis désespéré, j'essaye sur tout. C'est sûr. Attention, ça charge. Il en reste plus que 5. On a bien avancé quand même. Ok, ça marche pas. Oh, je suis tombé, non. Ok, je suis remonté. Let's go. Hop. On va aller où? Je sais pas, y a pas moyen de monter, genre. Oh, c'est vraiment dommage. Ok, bah on va se mettre sur l'arbre ici. L'arbre vert, mais dans le biome bleu. Hop, c'est parti. Oh! 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 Mais non! Les gars, je me suis fait spoil dans le chat. C'est la première fois que je me fais spoil. Des fois, ça pouvait arriver. Je crois que je me suis fait spoil une seule fois à cause de l'aura. Genre, mon aura, elle s'était remplacée. Donc, je savais que j'avais un huge. Et je m'étais fait spoil aussi une fois quand j'ai vu les coins à 10 millions. Mais là, c'est la première fois que je me fais spoil dans le chat. Parce que regardez, je suis en train de regarder le chat et je vois que j'avais eu une golden bass. Et j'avais eu, et je vois après, il y a des gens qui packent des trucs. Et là, je vois exclusive huge mechatronic NSQ, Prince End. Alors que frère, je viens littéralement, genre, wesh, c'est une dinguerie. J'avais même pas encore mis mon dé, il y avait déjà marqué que j'ai eu un huge. Genre, c'est grave en vrai. Ça veut dire là, les gars, dans le jeu, tu peux te faire spoil 3 fois, de 3 manières différentes. Première manière, avec les coins, si tu vois que ça va plus de 10 millions. Deuxième manière, si ton aura, elle se remplace de huge. Et troisième manière, dans le chat. Donc c'est un peu triste, mais bon. Au pire, si vous voulez pas vous faire spoil, les gars, regardez. Je vous montre la technique ultime. Technique ultime pour pas se faire spoil. Premièrement, vous désactivez vos pets, voilà. Vous mettez aucun pets équipé. Deuxièmement, vous bloquez le chat, comme ça. Et troisièmement, vous mettez votre souris sur les coins, comme ça. Regardez. Attends, mais du coup, j'ai plus les chances, là. Mais on va faire ça ensemble, je pense. Pour les 5 derniers, on va faire ça, pour pas se faire spoil. Attendez. Hop. Ok, c'est parti. Donc là, regardez. Hop, je mets un dé. J'appuie. Et là, regardez, faut être très rapide. Hop, voilà. Tu mets la souris. Bon, j'ai tout wipe in. je sais pas que... Mon doigt, il est parti en couille, frère. Il a bégayé.
Mais vous avez compris le principe. Donc pour les... Ah mais c'est le dernier. Bah pour le dernier les gars, on va faire ça, la technique. Mais en plus de la technique, regardez. Hop. C'est quoi, attends? On va même mettre l'avant-dernier, un petit méga lucky dice, juste pour le style, en sautant dans le vide, hop. Et en mettant ma souris aussi, pour cacher. Donc il n'y en a rien eu. Et le dernier, les gars. Attends, j'ai quand même eu 170 000 en vrai. C'est mieux que le pire qu'on peut avoir avec le méga lucky dice 2. Donc c'est pas dégueu. Même si j'ai pas besoin de pièces, c'est pas mal. Ok. Et le dernier, les gars, regardez comment on va faire. Hop, je l'active. Et regardez bien. Je vais l'activer et je vais rentrer dans le portail. Vous êtes prêts? Attends, je vais même remettre le chat parce que j'ai quand même peur que ça me bug mon huge sinon. C'est parti. Ah non, j'ai eu un Golden Lunar Bass. Dommage. Mais bon, ça aurait pu marcher en vrai. Ok. Moi, les gars, cette vidéo, elle est maintenant finie. C'était incroyable, franchement. C'était vraiment trop bien. Et du coup, maintenant, grâce à l'event, j'ai enfin une team full huge, les gars. Regardez-moi ça. J'ai même 3 huge en bonus. D'ailleurs, plus un petit truc secret qui est caché dans une boîte, regardez. Dans l'une des boîtes là, je vais pas tous vous les montrer, mais il y a un très très gros pet secret que vous verrez dans une prochaine vidéo. Mais du coup, là en soi, j'ai 4 huge, parce qu'on peut en enlever un, vu qu'il y a un truc secret. C'est-à-dire j'ai 4 huge en plus. Donc j'ai combien de huge? J'en ai 99, 90, donc 100, 101, 102, 103. 103, si on compte le truc énorme. Sans compter même d'ailleurs les 2 huge qu'on m'a offert. Mais c'est pas pour moi les gars, ça c'est pour les abonnés. Donc 2 huge en bonus, mais je les compte pas vu que c'est pas à moi. Mais dans tous les cas, il faut que j'ai encore plus de huge parce que regardez, vous voyez les prison 4 qui sont là les gars? Ils seront à gagner aux abonnés. Donc c'est pour ça, il y a 3 prison 4 à gagner. Donc au final, si j'enlève les 3 prison 4 et je rajoute les 3 temporal haul, bah j'ai quand même 99 huge parce que les 3 prison 4 ils sont à gagner. Enfin bref, c'est incroyable, j'ai enfin une team full huge, ça régale.